contempler ces vastes forêts de conifères et cette toundra verdoyante. Un véritable enchantement. Vous pourriez facilement croire qu'il s'agit du Canada, mais détrompez-vous. Nous parlons ici de l'Antarctique, tel qu'il existait il y a 34 millions d'années. Alors, comment ce lieu est-il devenu le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui ? Il apparaît qu'une combinaison de la chute des concentrations en dioxyde de carbone et d'importants bouleversements tectoniques a profondément transformé cet ancien paradis exempt de glace en un continent gelé. Il y a environ 50 millions d'années, les niveaux de CO2 atteignaient des sommets impressionnants, oscillant entre 1000 et 2000 parties par million. Toutefois, à mesure que ces concentrations ont diminué, les températures mondiales ont suivi, ouvrant ainsi la voie à la formation des vastes calottes glaciaires qui dominent aujourd'hui l'Antarctique. Pendant que les niveaux de CO2 s'effondraient, l'activité tectonique jouait également son rôle. La séparation progressive entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique a donné naissance au passage de Drake, facilitant la formation du courant circumpolaire antarctique. Ce courant puissant a agi comme une barrière, empêchant l'air chaud et les courants océaniques de pénétrer cette région et contribuant à maintenir un climat particulièrement froid. Si vous confondez l'Australie et l'Antarctique, ce n'est pas si absurde, ces deux continents formaient autrefois une seule masse terrestre. En revanche, confondre l'Autriche avec l'Australie est bien plus problématique. Et pour couper court aux rumeurs et blagues d'Internet, non, il n'existe pas en Autriche de service d'assistance destiné à ceux qui pensaient se rendre en Australie. Admirez cette splendide plage rose australienne. Elle n'est pas seulement belle, elle est littéralement précieuse. Ces sables intrigants aux teintes rosées se composent en fait de grenat, une pierre précieuse couramment utilisée en joaillerie. Après avoir analysé ce sable, les géologues ont découvert que les grenats qu'il contenait étaient le plus ancien que les montagnes environnantes. Cela semble paradoxal. En réalité, tout s'explique. L'Australie n'a pas toujours été le continent isolé qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions d'années, l'Australie et l'Antarctique faisaient partie du supercontinent de Gondwana. L'érosion glaciaire a libéré des grenats, qui ont fini par se retrouver sur cette plage. Ces sables se sont formés à une époque où l'Australie méridionale était plate et soumise à un climat frais, bien avant que les montagnes n'émergent. Si la plupart des grenats sont habituellement emportés, ceux-ci ont une riche histoire, remontant aux roches glaciaires de la chaîne transantarctique. En somme, ce sable rose provient d'une ancienne chaîne de montagnes enfouie sous les glaces de l'Antarctique. Non seulement la glace de l'Antarctique renferme des pierres précieuses comme le grenat, mais en y regardant de plus près, vous pourriez même découvrir des bâtiments entiers. Cela peut paraître insensé, mais c'est précisément ce qu'a réalisé un explorateur britannique du nom de Chris Brown, qui a mis au jour une structure entière sous la glace. Lors d'une expédition vers le pôle d'inaccessibilité, tout avait pourtant mal commencé. Chris et son fils ont subi une panne d'avion. C'est alors qu'ils ont repéré un buste de Lénine émergeant de la neige. Cet endroit s'est révélé être une ancienne station météorologique. Malgré les températures glaciales, Chris et son fils Mika ont pris grand plaisir à explorer cet endroit unique. Chris s'est fixé un objectif audacieux, conquérir les 7 pôles d'inaccessibilité terrestre. Jusqu'à présent, il en a déjà atteint 5. Vous savez probablement déjà que l'Antarctique est le plus vaste désert de la planète, bien plus étendu que le Sahara ou le Gobi. Pourtant, en dépit de son extrême aridité, ce continent abrite une cascade pour le moins étrange. Située dans les vallées sèches de McMurdo, cette chute d'eau, haute de 5 étages, donne l'impression de déverser de l'hémoglobine. Ce phénomène fascinant porte d'ailleurs un nom évocateur, les chutes de sang. Bien que cette cascade cramoisie puisse sembler étrange, voire inquiétante, son origine s'explique facilement. L'eau qui alimente ce phénomène était à l'origine un lac salé, mais elle a été progressivement isolée du monde extérieur par la formation de glaciers. Aujourd'hui, cette eau millénaire repose à environ 400 mètres sous la surface et a atteint une salinité 3 fois supérieure à celle de l'océan. Chargée en fer, elle ne reçoit ni oxygène ni lumière. Lorsqu'elle s'infiltre à travers une fissure du glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, donnant à l'eau sa teinte rouge foncée, semblable à la de la rouille. On croit souvent à tort qu'aucune espèce d'insecte ne vit en Antarctique. Pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai, car un minuscule moucheron, connu sous le nom de Belgica Antarctica, y a élu domicile. Par ailleurs, on y trouve également quelques araignées. Ces araignées ne sont pas celles que vous trouvez nichées dans les coins sombres de votre maison. Ce sont des créatures marines qui vivent dans l'obscurité glaciale des profondeurs de l'océan Antarctique. Ces arthropodes étonnants
peuvent atteindre une envergure d'environ 50 cm. Comme si leur taille n'était pas déjà impressionnante, elles respirent aussi grâce à de petites ouvertures situées dans leurs pattes. Si l'on vous demande quelle couleur vous associez à l'Antarctique, vous penserez sans doute au blanc, tout comme moi. Cependant, ce continent glacé peut parfois évoquer une tranche de pastèque. Cette neige colorée doit son aspect à une micro-algue robuste appelée Chlamydomonas nivalis. Lors des mois d'été en Antarctique, lorsque les températures remontent, ces algues libèrent des spores aux teintes éclatantes de rouge et de vert, donnant à la neige des couleurs vives et surprenantes. Toutefois, il est préférable de ne pas s'en approcher, car cette neige, bien que fascinante, est également toxique et absolument impropre à la consommation. La recherche de fossiles est toujours passionnante, mais quand cela se fait dans l'un des lieux les plus isolés de la planète, l'aventure devient encore plus exaltante. Une équipe de scientifiques pluridisciplinaires a récemment réalisé une découverte exceptionnelle, ramenant plus d'une tonne de fossiles de vie marine ancienne, de dinosaures et d'oiseaux datant de la période du Crétacé supérieur, il y a environ 71 millions d'années. Leur périple a commencé par un vol vers l'Amérique du Sud, suivi d'une traversée de 5 jours du redoutable passage de Drake. Une fois arrivés en Antarctique, ils ont établi leur campement en utilisant des hélicoptères et des bateaux pneumatiques. Vous vous demandez peut-être, pourquoi rechercher des fossiles en Antarctique, malgré la glace omniprésente? En réalité, certaines zones révèlent à des affleurements rocheux selon la saison. L'équipe s'est rendue sur l'île James Ross, située sur la péninsule Antarctique, durant les mois de février et mars. Il s'agit d'une période estivale où les roches de cette région, datant parfois de l'ère des dinosaures, sont exposées. L'expédition a porté ses fruits, avec la découverte de plus d'une tonne de fossiles remarquables. Les spécimens seront d'abord transportés au Chili, avant d'arriver au musée Carnegie d'histoire naturelle de Pittsburgh. Parmi ces découvertes, des fossiles datant d'environ 71 millions à 67 millions d'années, comprenant des escargots, des palourdes et diverses créatures marines, témoignent de la richesse de cet ancien patrimoine. Regardez ce ver marin intrigant. On pourrait imaginer qu'il vivrait à Los Angeles et deviendrait la star d'un film d'horreur. Mais il préfère les eaux glaciales de l'océan Austral, près de l'Antarctique. Ces vers impressionnants peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long et 10 cm de large. Cependant, leur apparence terrifiante est trompeuse. Des études montrent qu'ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Quant à leur tête, ne vous méprenez pas. Ce n'est qu'une gorge rétractable, pourvue de dents, qui leur permet de se nourrir efficacement. L'Antarctique regorge de créatures insolites et quelque peu effrayantes. Laissez-nous vous présenter le Promacocrinus fragarius. Contrairement à Patrick de Bob l'éponge, elle ressemble plutôt à une créature abyssale digne d'un film d'horreur. Imaginez, 20 bras sinueux, certains atteignant jusqu'à 20 cm, ornés de petites bosses étranges. De quoi donner des frissons? Non. En 2014, des chercheurs ont enfoui 34 sismographes sous la neige de l'immense plateforme de glace de Ross, une véritable plaque de glace de la taille du Texas, flottant sur l'océan Austral. Ces appareils ingénieux ont capté un bourdonnement presque constant. Bien que ces sons, à très basse fréquence, échappent à l'ouïe humaine, les scientifiques ont réussi à les rendre audibles et ils ont même partagé cet enregistrement étrange en ligne. Un glaciologue de l'Université de Chicago explique que si ce bourdonnement était perceptible par nos oreilles, il évoquerait une nuée de cigales envahissant un jardin en plein été. Cependant, ces experts des glaciers ne cherchaient pas de son mystérieux, mais surveillaient la barrière de Ross, car le réchauffement climatique fait fondre la glace à une vitesse inquiétante, plus rapide encore qu'un sorbet sous le soleil estival. Les plateformes de glace jouxtent un rôle crucial, un peu comme des bouchons de sécurité, empêchant d'énormes masses de glace de plonger dans l'océan. Mais alors, d'où vient ce bruit incessant? Il est probablement causé par des vents puissants balayant les dunes glacées et générant ainsi des vibrations naturelles.